Bonjour. Il me fait grand plaisir de vous accueillir dans la toute nouvelle école secondaire David Saint-Jacques à Kitchener ce matin. Alors, c'est une école, bien sûr, que les familles de Kitchener, Waterloo, Guelph et les environs attendaient depuis longtemps. Le nom de l'école, bien sûr, rend hommage à David Saint-Jacques, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne, dont tous les Canadiennes et Canadiens sont très fiers. Nul doute que celui-ci va inspirer nos élèves à se dépasser et atteindre l'excellence, et ce, en raison de la programmation et des services que nous allons offrir, qui seront bien sûr à la hauteur des attentes des familles et à la fine pointe de la technologie. Alors là-dessus, il est certain que nous remercions les familles pour la confiance qu'on nous accorde en inscrivant vos enfants dans une école laïque francophone, et nous reconnaissons bien sûr que les familles du centre-sud-ouest de l'Ontario choisissent de plus en plus les écoles laïques de langue française, et on vous en remercie. Alors j'en profite pour vous souhaiter une très belle rentrée scolaire 2020 en toute santé et sécurité, et je vous souhaite une bonne journée. Je suis particulièrement heureux d'ouvrir les portes de cette nouvelle école qui était très très attendue dans la région de Kitchener, Waterloo et Guelph. Comme vous pouvez le constater, c'est une rentrée tout à fait particulière et nous avons mis sur pied des mesures de sécurité parce que notre priorité numéro un, c'est la santé et la sécurité de nos élèves ainsi que celui du personnel. Nous avons mis sur pied des mesures d'hygiène telles que le lavage constant et régulier des mains. Nous avons mis sur pied des mesures pour respecter la distanciation physique dans les locaux. Le port de masque est obligatoire dans les salles de classe, aussi bien pour les élèves que pour le personnel. Et parfois, le personnel sera appelé à porter une visière. J'aimerais aussi mentionner que malgré le fait que la rentrée soit tout à fait particulière, je voudrais souligner la participation de tout le personnel qui n'a pas compté des heures pour préparer cette rentrée. Et j'aimerais aussi dire que c'est grâce à la participation de tous que nous allons pouvoir vivre une excellente année scolaire 2020-2021.